le retour. Regardez là. Bah, un grand front. Elle a un grand front. Oui, elle a un grand front, mais elle aime pas ta gueule. Ah, un grand front, mais aime pas ta gueule. C'est Delphine, marrant. Hein. Delphine qui a un grand front puisqu'elle est intelligente. Non, mais attendez. Non, mais là, il vient de se passer un truc où je viens de dire Delphine a un grand front parce qu'elle est intelligente et l'autre, il est mort de rire. Non, mais t'as un time, c'est un coup de cheval, ça augmente le front. Moi aussi, j'ai un coup de cheval et j'ai un petit front. Non, c'est complètement distinct. Ah, faut arrêter de dire n'importe quoi. Delphine, bonsoir. Merci d'être là parmi nous ce soir. Merci. Ta-ta-ta-ta. C'est distant, j'adore. T'as remarqué ? T'as entendu ? Ouais. T'as entendu ? Oui, mais j'entends quoi, c'est dingue. T'as entendu ? Vous oubliez que j'ai mes radars. T'as des belles breloques, là. Hein. Oui. Ah, ouais. Ah, c'est rigolo, ça, oui. Ah, bah là, je peux te dire... Je sais pas s'il y a une brocante dans ton quartier ce week-end, mais j'ai dû faire le design. Je prends le cadre, je prends les trois colliers et les boucles d'oreilles, c'est bon, mec. Elles sont pas un peu lourdes ? Non, ça va, elle est comme un. Le gars, quand elle en met une, la boucle d'oreille est tellement lourde, elle est comme un. Elle est en cerveau, le gars, David Lyon. Alors, Delphine, c'était la nouvelle année. Déjà, je te souhaite une belle année. Bonne année. Qu'est-ce bonne que année je peux te souhaiter pour cette nouvelle année ? La sérénité. Mais qu'est-ce que c'est ? La sérénité. Ouais, je pense à la sérénité. C'est le seul truc qui me. Pourquoi t'es pas sereine ? Non, mais disons que avec la chance que j'ai, voilà, dans ma vie me plaît. Donc, on continue. Plus la sérénité. Plus la sérénité. Ouais. C'est quoi, et c'est tout bon. Bah, ça veut dire la sérénité. D'être zen, d'être serré. Ça veut dire qu'elle veut être serrée avec quelqu'un. Elle ne peut pas être inquiète. Hein ? Elle veut être serrée, comme un café. Hein. Ouais. Café sérénité. Hein. Pas d'angoisse, quoi. Pas de... Voilà. Et qu'est-ce que ça fait pour le jour de l'an, machin ? Alors, le jour de l'an, c'était très, très zen. On a fait le 31 avec Roger. Roger, avec mon et avec mon chien aussi. D'accord, il y avait des gens, il y avait des humains. On rigole, ça va. Franchement, c'est marrant. Roger, donc votre chien. Ouais, voilà. Donc c'était avec mari, les trois. Roger son mari. Mais non, pas Roger le chien, Roger le mari. Roger votre chien. Mais non, Roger et votre chien. Comment il s'appelle le chien ? Aiko. Aiko, ouais. Donc Roger et Aiko. Voilà, donc j'étais avec les deux êtres. Qui a le plus remué la queue ? On s'interroge, c'est le nouvel an, ça va. Bien sûr. Faut bien démarrer l'année. Les bonne année, légitimes. Bim bim. Non mais c'est vrai. Voilà quoi, c'est bon, on est en 2022. Oh. Bah ouais. 2022, l'année de là ? Que. Oh non. Bah si. C'est pas du tout. Ah, oh là là, c'est pas possible. L'année merveilleuse. Ah oui. Donc, très tranquillement. Que les trois ? Oui. Très tranquillement, avec beaucoup d'amour. On s'est mis dans notre bulle, feu de cheminée. T'as une bulle ? Ouais, voilà, on était très bien. Bon, c'est fait chier, quoi. Non, pas du tout. C'est super, moi j'adore. C'est très important. Vous avez regardé des films ? Vous avez regardé avec le fin chien, vous avez regardé Rintintin ? Trop blanc. Non, on n'a pas regardé de films. Ils ont regardé que des films de chiens, tu vois. Non, mais, et donc, à minuit, vous avez souhaité bonne année, genre waf, waf, wouh. Hier, j'étais comme un. Oh, bonne année. Non, mais c'est quoi, ça, c'est Mathieu. C'est quoi le bail ? Non, mais c'est ça. Et donc, on a fêté Nouvel An, voilà, entre nous. Entre nous. Il y avait ça faisait du bien. C'est vrai, mais c'est beau. Hein, bonne année à vous. Bonne année à Roger. Et bonne année à Aiko. C'est tout, c'était ça le jour de l'an ? Mais écoutez, oui, c'était ça. Parce que c'est ça vrai. Ça va, que... sinon, oui, non, vous ça prenez va. Toujours des antidépresseurs. Et alors, pour oublier cette vie de merde. Voilà. Mes vacances, ça coupait avec la vie de toute la vie. C'est-à-dire la vie tumultueuse que vous vivez. Exactement. C'est-à-dire toujours par Mons et par voilà. Vous. Donc tous les jours, on est allé courir en forêt, j'ai retapé des meubles, j'ai peint. Ah ouais, vous savez, elle court en forêt, elle fait tout pour se débarrasser de Roger. Ça fait du bien. Ouais, ça coupait. Il est toujours là ? Ouais, il est toujours là. Non, mais c'est vrai, quand vous allez courir en forêt, Kaiko et Roger ? Oui, tout à fait. Vous avez passé votre. À trois ? Ouais.
À un moment, il faut le lâcher, le Roger. Pas le chien. Et Roger a kiffé. Même ça vous a fait vous retrouver avec Roger, parce que vous ne voyez pas beaucoup. Exactement. On ne s'est pas vu beaucoup. On ne s'est vraiment pas vu beaucoup. Et donc là, pendant ces vacances, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Bah voilà. Ouais. Voyez, ah oui, c'est important beau, de, ah oui, c'est de mettre des... Mais c'est le secret de ne pas se voir beaucoup dans les couples. Je sais ce que m'a dit Fatou. Elle a pas voulu me voir. Ça pourrait être un secret, c'est un secret. Oui, Fatou, elle a vraiment pas envie de voir ta gueule, hein, je peux te dire. Si elle pouvait pas te voir toutes les années bisextiles, ça lui ferait du bien. Non, mais c'est vrai. Ah là là. Merci en tout cas d'être venu. Est-ce que quelqu'un vous a manqué ici? À part moi, bien entendu. Alors oui, vous m'avez manqué, c'est vrai. Vous pouvez me tutoyer. Et qui m'a manqué aussi? Isabelle. Guillaume m'a manqué. Bernard m'a manqué. Mais toi aussi, tu m'as manqué. Bah, ouais. Non, mais en fait, vous m'avez tous manqué. Et je suis très contente de revenir. Même Mathieu? Hein? Alors. Mathieu, d'une manière différente. C'est ça, exactement. Voilà, d'une manière différente. Et Benjamin, vous l'adorez. Ouais, et Benjamin aussi m'a manqué. Mais non, elle t'adore. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu dis même Mathieu. Mais parce que moi, vous m'avez pas dit. Parce que moi, il m'a pas dit manqué, par exemple. Voilà. Agression. Bah, franchement. Bon, non, si, vous m'avez manqué. Tout le monde m'a manqué. Je voulais dire, je suis très content de retrouver Delphine, que j'adore. C'est un amour.